Liste des accessoires numéro 1, un magazine galant avec titre fabriqué. Numéro 2, mouchoir propre, repassé, plié. Hein, de quelle couleur? Il ne le dit pas. Numéro 3, souliers semblables à ceux portés par le prêtre à remplir de sable. Numéro 4, bréviaire. Accessoire 5, un magazine de la même apparence que le 1, destiné à être déchiré en 4. Accessoire 6, un morceau de magazine déchiré avec image de femme déshabillée. Accessoire 7, livre avec couverture fabriquée, l'imitation de Jésus-Christ, les pages non coupées. Numéro 8, le même que le 7, mais avec les pages coupées, donc il faut changer la jaquette. Numéro 9, un couteau à cran d'arrêt. Dixième accessoire, un épouvantail, c'est-à-dire le chapeau, le veston et évidemment le bourrage. Numéro 11, le livre numéro 8 avec une autre jaquette portant comme titre La Vierge du Moulin Rouge. Numéro 12, un exemplaire du journal Paris Teuf. Numéro 13, verre de bière rempli. Et 14, verre de bière entamé, le même verre je suppose, le même genre de verre. Numéro 15, un verre de martini rempli. Numéro 16, un cendrier pour le décor numéro 9. Et 17, un cendrier pour le décor numéro 9. Je sais pas si c'est deux cendriers différents. Accessoire numéro 18, la photo de la tête du Christ en croix, recto. Et numéro 19, la même chose, verso. Numéro 20, genou du même Christ en croix, recto. Et numéro 21, idem, verso. Numéro 22, texte licencieux imprimé, censé se trouver dans le livre numéro 11. Numéro 23, une pancarte indicatrice, le plan numéro 71. Numéro 24, une pancarte avec le mot religion et flèche en forme de croix. Numéro 25, un lot de crucifix. Accessoire numéro 26, une pancarte montée sur tige avec le mot solde. Numéro 27, pancarte publicitaire pour les plans 77 et 78. Numéro 28, accessoires éventuels pour le mur du décor numéro 19A. Slogan sur la pancarte, payé avec le sourire. 29, comptoir formant étalage avec des casiers. Numéro 30, des petits cartons avec indication de prix. Accessoire 31, il faudrait A, un sachet en pointe, vide. B, des petites croix argentées et C, un sachet identique à 31A rempli avec B. Accessoire 32, balance d'épicerie marquant les grammes. Accessoire 33, une caisse enregistreuse. Accessoire 34, une pancarte avec le mot aveugle et moyen de suspension autour du cou. Numéro 35, une valise. Plus un gros paquet, plus un petit paquet, très lourd chacun pour la vraisemblance du jeu. Accessoire 36, facultatif, une voiture d'enfant. Accessoire 37, un exemplaire du journal La Croix. Numéro 38, un bénitier. Numéro 39, un bibelot profane, vulgaire. Numéro 40, un crucifix mural. Accessoire 41, des portraits encadrés à la même dimension et sans verre, un de la Vierge, un de Jean XXIII et un de Louis Armstrong. Numéro 42, une bouteille de Gordon's Gin entamée ou une vidange aux trois quarts remplie d'eau, c'est la même couleur. Accessoire 43, à côté du 42, un verre rempli au quart d'eau. 44, divers autres accessoires pour la chambre du prêtre. 45, quelques dollars en billets. 46, un mètre ruban de couturière.
Accessoire 47, une chaise pour la chambre du prêtre. Pas un prix Dieu, j'imagine. Numéro 48, un papier avec mesures écrites plus crayon noir gras, type de crayon à fard. Numéro 49, un coin de table dans la chambre du prêtre. Numéro 50, plan dessiné de la croix sur papier, parce qu'il faut faire en couleur, et plié en quatre. 51, croix de métal montée en sautoir sur chaînette et brillante, genre croix d'or. Numéro 52, garniture de cheminée, par exemple, femme au lévrier chez GS. On va demander qui est GS. Numéro 53, un lit pour le décor 29 avec coussin, un lit sans montant. Numéro 54, un poêle de type simple avec une cruche. Numéro 55, un poste de radio, un modèle modeste. Accessoire 56, un vase opaque. 57, une gravure genre chromo de maison de passe encadrée, sans verre. Numéro 58, un plateau avec verre de bière et verre de Porto. Un verre de chaque. Numéro 59, un cendrier avec une cigarette allumée, le bout doit être rougi. Numéro 60, une chevelure postiche. Accessoire 61, des souliers du type porté par le jeune homme. Numéro 62, une planche du même type que celle constituant l'accessoire numéro 86. 63, mètre pliant de menuisier. 64, crayon de menuisier. 65, scie. Numéro 66, une épingle de cheveux, du type le plus commun. Accessoire 67, un exemplaire du magazine Guérir, à choisir selon couverture dans la collection de GS. Numéro 68, abat-jour de table de nuit. Numéro 69, la table de nuit. Et numéro 70, deux œufs durs. Accessoire 72, montée sur socle, une bougie avec deux œufs durs. Bougie d'un type plus gros que celui d'usage domestique. Un cierge droit, par exemple. Numéro 73, un portrait de Freud, assez grand, encadré, sans verre, et portant en dessus la mention, sur deux lignes, Freud, et en dessous, entre parenthèses, 1856-1939. Accessoire 74, montre ouverte, mécanisme en mouvement. Comme il s'agit d'une utilisation en très gros plan, un réveil serait sans doute préférable, sinon une horloge encore plus grande. Numéro 75, accessoire décor, serrure de porte avec clé pouvant s'y adapter. Numéro 76, un bas de femme. Accessoire 77, un sommier verticalement dressé, censé être celui du lit, c'est-à-dire celui de l'accessoire numéro 53. Numéro 78, cigarette en forme de croix, il faut les fabriquer bien sûr. Retoucher les colures avec de la gouache blanche. Numéro 79, lunettes solaires pour l'actrice numéro 4. Numéro 80, long fume-cigarette de dame. Numéro 81, pick-up non incorporé dans un meuble pour permettre montage d'un plateau rond en triplex recouvert d'étoffe noire, bordé d'une petite guirlande noire capable de fonctionner à 78 tours et 33 tours et destiné à supporter au centre l'accessoire numéro 72 et sur les bords certains accessoires du numéro 25. Également l'accessoire numéro 73 sorti de son cadre. Accessoire 82, petit crucifix de métal brillant à transformer en boucle d'oreille. 83, essuie-éponge plus savon. De quelle couleur? Numéro 84, un bassin en émail rempli d'eau savonneuse. Accessoire 85, un vélo d'homme. Accessoire 86, croix de bois dans plusieurs dimensions. Accessoire 87, des tessons de bouteille. 88,
Le vélo numéro 85, mais avec le pneu avant dégonflé. Numéro 89, une auto avec plaque de nationalité. Numéro 90. Alors le numéro 90, c'est une plaque de nationalité URSS. Il faut voir le code international, évidemment. Numéro 91, une peau de banane. 92, ce sont des accessoires de déguisement, cigario, casquette, moustache, pour l'acteur numéro 13. Le numéro 93, c'est une petite échelle à un montant, genre échelle de laveur de vitre. Numéro 94, un fer à repasser électrique et son fil de raccordement. Accessoire 96, un miroir en pied pour la chambre du prêtre.